Et bonjour à tous, c'est Drakin 117. On se retrouve pour la 16e étape et la dernière semaine du Tour de France 2022. Allez, c'est parti pour la suite. Bonjour les gars. Bonjour les gars. Commençons le briefing de cette étape. Qu'est-ce qui fait chaud aujourd'hui? On repart de Carcassonne avec un joli plan sur la cité. J'espère qu'on va la voir. Jusqu'à Foix. Ah, il y a deux cols de catégorie 1 quand même. On arrive dans les Pyrénées. C'est un parcours vallonné à casse-pattes aujourd'hui. Propice aux attaques. Ça devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Allez, c'est parti. Ah ouais, hier, il y avait 40. Là, aujourd'hui, il y a déjà 31 à 9h. Ouais, ça pique. Heureusement, j'ai la clim chez moi parce que... Je pèterai un plomb. Bon, on va partir avec Alaphilippe, hein, comme d'hab. Bonjour à toutes et à tous. Le tour arrive aujourd'hui dans les Pyrénées. Il n'y a pas de grand col aujourd'hui, mais quand même deux difficultés notables, le port de Lers et le mur de Péguerre. Voilà les attaques qui pourraient bien sourire au baroudeur. Ah bah là on la voit plus. Ah dommage. Ah si, là, elle est là-bas. La cité de Carcassonne. Là. Déjà, aujourd'hui, ce ne sera pas un sprint massif. Compte tenu de l'étape qui arrive, oui, ça c'est sûr. Pour que les favoris se fassent à bagarre. Échapper, bonne chance d'aller en avant. Soyez attentifs. Allez, Alaphilippe. Ça laisse partir. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ouais, mais je préfère prendre de l'avance quand même. Non mais 4, il y en a 8 derrière. Après, on peut peut-être reprendre de l'avance un peu sur le maillot jaune. Pour entrer dans le top 10, ça serait pas mal. Bon là, il n'y a qu'un point à prendre. On peut quand même le prendre au cas où. Mais... Enfin, essayer. On joue maillot à poids, maillot vert. Maillot vert, c'était pas prévu, mais bon. Le leader qui a mis son effort très tôt pour gérer les gars. Déjà. Pas bon, ça. Ah, je vais pas l'avoir. Si. Yes. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du cas. Du meilleur vainqueur. Allez, on récupère. Alors, on est 12. On est à Limoux. Bienvenue à Limoux. On est 12, on va se permettre de ne pas collaborer. Le prochain Grand Prix de la montagne est classé en troisième catégorie. Seuls les deux premiers coureurs au sommet marqueront des points pour le classement de la montagne. Il vous reste 2 km. Allez, on va chercher les deux points. Le col de l'Espinasse. Ah, je connais celui-là. Il était déjà dans les autres Tours de France.
Putain, il y a quel... Oh non, imaginez. Mais quel poids. C'est sérieux, là. Il m'a empêché de passer, l'autre. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Les coureurs enchaînent tout de suite avec un nouveau classement de la montagne. Un point à prendre pour le premier au sommet de cette côte de quatrième catégorie. Je pouvais rien faire, il m'a empêché de passer, l'autre. Faut qu'il me fasse ça dans un col catégorie 1. Ouais, chier. Mais bon, col catégorie 1 OHC, c'est rare que tu arrives à 12 en même temps la roue. T'inquiète, je jouais juste le col. Hein. Bon, maintenant, le sprint intermédiaire. Il y a déjà des lâchés en fin de peloton. Ça va pas être une bonne journée pour eux. Ah bon, pourtant, ils roulent pas. 19 lâchés. Putain. Ils ont foutu quoi? Le peloton il revient déjà, je veux dire. Le sprint intermédiaire approche pour la tête de course et l'on rappelle que les 15 premiers marqueront des points pour le maillot vert. Allez, on va chercher les points du maillot vert. Si c'est logique, c'est peut-être que ce qui devrait passer. Hein. Bah non. C'est bon, les gars. On peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. Tranquille. Tranquille. Ah, j'ai pas regardé la ville où on était. Pour le sprint. Bon, ça vous dit pas le peloton de nous laisser 10 minutes d'avance histoire que je gagne le maillot jaune. Je fais une sieste. Réveillez-moi si se passe quelque chose. À part dans l'école 1, je vais attaquer. Hein. On va collaborer un peu quand même. On va la foutre dans l'école 1, j'attaque. Hein. Et bientôt au ravito là. Ah. D'accord, à part Cavendish qui protège les pôles, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. On va être plutôt à ce green. Allez, on arrive au premier gros col. C'est maintenant le port de l'Hers qui se présente face aux coureurs. Une ascension d'un peu plus de 11 km avec une pente moyenne de 7%. Ah, on remonte, on reprend de l'avance sur le peloton, là. C'est bien ça. Il reste quand même 60 bornes encore. Les adversaires ont son rythme pour résister au peloton. J'aimerais bien gagner l'étape là. Le port de l'Hers est classé en première catégorie. Il y aura donc des points pour les 6 premiers au sommet. On remarque que ça redescend. Ouais, ça descend pas mal après. Allez, on va essayer de placer une attaque là où ça fait mal. Qui peut nous suivre? Ah, il y a quand même beaucoup qui peuvent.
qui a encore des forces. Et c'est vrai qu'il y a Martin. Il y a Latour, Martin, Roland, Kepkoski. Et Kepkoski, il n'est pas sprinter normalement. Alors je confonds. On va ralentir un peu parce que là. Attention, c'est une meilleure position de l'échappée. J'arrive à passer en tête en haut quand même. Martin s'envole. Martin, il a l'air fort. Heureusement, la pente s'adoucit. Ah, je vais peut-être passer mes limites. Hein. Oula! Allez! Yes! Excellent. Putain, on a 7 minutes d'avance là, on peut aller au bout là. C'est même obligé que ça aille au bout là. Ouais, ouais, c'est normal. Juste faire. Histoire qu'il traîne pas trop derrière. Ok, on va aller. Et voici la dernière difficulté du jeu, le fameux mur de Péguerre, avec ses rampes à plus de 16 et 18%. Seuls les coureurs ayant encore des réserves pourront y faire la différence. Oh la vache! Encore 1 km avant d'aborder le passage le plus important du mur de Péguerre. Vous avez vu la gueule du col? Avec les passages en noir là? Et nous, on perd pas de temps. On attaque direct. Là où ça fait mal. Les passages à 14%. Waouh, c'est un mur. Moi, si je fais ça, je redescends en arrière. Après, ça descend jusqu'à l'arrivée. Allez à la Philippe, on est tous avec toi. Jeu bleu pour Cavendish, Jacobsen, Markov. Le reste on attend. Si juste je vais faire ça. Je vais mettre suivre les attaques lui. Au 3 d'ailleurs. Allez, on est parti solo là. T'as encore 2 km avant d'arriver au niveau. Ouais, ils sont pas loin. On va reprendre du rouge. Attention, c'est une meilleure position de l'échappée. Pour l'instant, il n'y a que Martin qui peut nous suivre. Pas mal, on est pas mal pour la victoire là. Allez, encore 1 km avant le sommet du mur de Péguerre. Allez, Alaf. C'est ton moment. C'est le jour de gloire. Là, c'est un mur, sérieux. Martin lâche. Ouais, vite fait. Allez, on arrive.
Après, ça descend jusqu'à l'arrivée, normalement. Ah, ils ont craqué, ça y est. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur vainqueur. Bon, maillot à poids, c'est bon, je pense. Allez, maintenant, à fond jusqu'à l'arrivée, si on peut. J'ai des doutes. Si ça descend pas plus, c'est la merde. Bon, c'est quand ça descend? J'aurais bien me reposer, moi. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Vingord qui se fait décramponner. Ah bon? Il attaque! En plus, j'ai le rouge, c'est con. Ça marche. Une petite descente? Non. Ben, c'est ça que vous appelez une descente, sérieux? Ah là, ça va descendre un peu plus, non? Ah voilà. Ben, faut que je me repose, non? On va faire 20 km comme ça, bon. Descendre vers l'arrivée. Ouais, super. Putain, ils sont en train de revenir derrière. Il ne reste plus que 20 km pour le leader de l'État. Je sais pas ce qu'ils ont cette année en descente. Ils sont super forts les autres. Allez, on a bien récupéré là. Et vous avez vu comment ils reviennent derrière? C'est du n'importe quoi, sérieux. Ça, par contre, faut qu'ils fassent une mise à jour, c'est n'importe quoi. Il essaie de sortir du peloton. C'est impossible qu'ils reviennent comme ça. Là, ils sont plantés sur les descentes. C'est impossible qu'ils reviennent aussi vite. Surtout que la Philippe, c'est un bon descendeur. Je sens que je vais me planter tout à l'heure. Ils ont failli m'attraper, là j'ai repris de l'avance. Je sais pas si je ferais pas mieux de les attendre. Encore 10 bornes. De toute façon, ils sont là. Hein. Ils sont juste là. Bon, on va les attendre. Hein. Ça, je piche pas, sérieux. C'était impossible qu'ils me rattrapent normalement. Bon, à part si vous roulez pas, vous allez me casser les couilles. Hein. Normalement, s'ils ont roulé à fond, ils n'ont pas récupéré, donc... Encore 5 km. Plus que 5 km pour la tête de la course. Bon, ça vous dit pas de prendre des relais, non? Et là, ça, ils s'arrêtent. Ces enfoirés.
Putain, je suis avec deux tocards, sérieux. Les deux mecs qu'il fallait pas, quoi. À qui reviendra la victoire aujourd'hui? Le suspense est total au moment d'assister aux dernières tentatives dans le final. S'ils s'arrêtent, c'est qu'ils ont plus de jus. Ils ont plus de jus, non? Il en est où l'autre? Hein? Attaque! Qu'est-ce que tu fous, toi? Ah, on peut pas compter sur Evenepoel, hein, sérieux. Il essaie de sortir du peloton. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Allez, on arrive à fois. Ah bon? C'est moi qui vais gagner? Dernier. On va voir. On va voir. Avec le virage là. Allez, Alaphilippe! Victoire d'Alaphilippe. Tranquille. Ils avaient plus de jus, les autres. Ah, fait une belle étape. Ah, j'aurais dû prendre Evenepoel à la fin. Ouais, tant pis. Normalement, on passe dans le top 10, là. Ils avaient plus de jus, regarde. T'as quand même un qui a réussi à suivre, mais l'autre... Moi, je crois que c'est notre cinquième victoire d'étape. Poupaka. Alaphilippe. Alaphilippe. Poupaka. Bon, est-ce qu'on rentre dans le top 10? Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous aviez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot vert, c'est bien les gars. Ouais, quand même mis quasiment 3 minutes à Guillaume Martin. 5 minutes à Godu, sous les autres. What? Ouais. On a mis 5 minutes à Pogacar. Evenepoel, il arrive en même temps que Pogacar, c'est parfait. Alors. Ah oui! Qui arrive en top 5, quoi. Direct. Bon, par contre, je suis pas sûr qu'il nous laisse échapper, mais alors. Maillot à poids. Bon, on a une grosse avance, ça va. On peut se permettre de pas aller dans l'échappée, du coup. Maillot vert. Ouais, quasiment 70 points d'avance, je crois. Bon, ça, c'est mort. Ah, on passe deuxième meilleure équipe. Ah ouais, c'est sérieux. Par contre, la jumbo, sont cheatés. Combativité, on est toujours bon avec Cataneo et Alaphilippe et qui remonte. Hein. Force de s'échapper. Ouais, ben voilà. Et ben, on se retrouve demain pour la 17e étape. Allez, à plus.